faut savoir que le métier de professeur des écoles est un métier polyvalent. Vous pouvez vous orienter vers une licence pluridisciplinaire ou une licence en sciences de l'éducation. Vous pourrez également choisir une licence dans une des disciplines que vous aurez à enseigner plus tard, comme le français, les mathématiques, l'histoire et géographie, l'éducation physique et sportive, les sciences, les langues, la musique ou encore les arts plastiques. L'important est de choisir une licence qui vous plaira et dans laquelle vous pourrez bien réussir. Il est également fortement recommandé de participer au module de professionnalisation, de pré-professionnalisation, à destination du métier d'enseignement. Ces modules sont proposés dans la plupart des licences et des universités. Ils vous permettront de découvrir le métier, parfois de vous conforter dans vos choix, et ils seront un avantage important pour le suivi du Master MEF. Une autre licence validée, vous pourrez candidater pour l'entrée en Master MEF premier degré. Pour déposer une candidature, vous devrez constituer un dossier qui regroupera plusieurs pièces, comme par exemple un CV, une lettre de motivation, vos relevés de notes ou encore les résultats d'une épreuve écrite d'admission. Toutes les informations sur la candidature sont disponibles sur le site internet de l'INSP Lille-Hauts-de-France. Une fois admis au sein du Master MEF premier degré, vous suivrez une formation universitaire professionnalisante qui vous préparera à la fois au métier et au concours de recrutement du professorat des écoles, le CRPE. Votre formation se déroulera en alternance avec des périodes de formation à l'université et des périodes de stage. Ces périodes participeront à des objectifs croisés et progressifs qui vous permettront d'appréhender et de construire la posture, les gestes et les outils professionnels nécessaires à l'exercice du métier. Tant que formation professionnalisante et dans la logique d'une approche par compétences, la formation est constituée à la fois d'un parcours commun, d'un parcours personnalisé via des modules de consolidation qui permettent une remise à niveau dans les disciplines de la polyvalence et d'un parcours accompagné via un module complémentaire qui enrichit le projet professionnel de l'étudiant. N'oublions pas non plus les langues vivantes étrangères et le numérique, place également au cœur de la formation. Enfin, la formation à et par la recherche occupe une place importante au sein du master, avec une unité d'enseignement dédiée et un mémoire qui validera en partie les deux années du master. Au cours du dernier semestre de votre master, vous pourrez passer le CRPE. Ce concours est constitué de trois épreuves écrites d'admissibilité. L'une en français, l'autre en mathématiques et la dernière dans un domaine choisi parmi les sciences et technologies, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique ou enfin les arts. Les épreuves d'admission, quant à elles, prennent appui sur deux épreuves orales avec une épreuve de leçon pour mettre en place des séances d'enseignement en français et en mathématiques et une épreuve d'entretien. À l'issue de ce concours, vous pourrez être nommé professeur des écoles stagiaires au sein de l'académie où vous avez passé le CRPE. À la fin d'une année de stage réussie, vous pourrez alors être titularisé. Après quelques années d'enseignement, vous pourrez également vous tourner vers l'enseignement du français à l'étranger au sein du réseau des établissements scolaires de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Vous pourrez aussi vous spécialiser certains, même la formateur, l'enseignement des disciplines non linguistiques ou encore vers les pratiques de l'éducation inclusive. Enfin, pour les personnes qui ne souhaitent pas ou plus passer le concours, des modules spécifiques sont proposés au sein de la formation pour permettre une autre orientation vers les métiers en lien avec l'éducation et la prise en charge de l'enfance et de la jeunesse. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt au sein de notre Master MEF, premier degré.